Bonjour, bienvenue sur WebAgri. Nous sommes au CIMA 2019 sur le stand John Deere. Je suis en compagnie de Maxime Legros. Maxime, tu es responsable produit récolte chez John Deere sur la Normandie et tu vas nous parler de la nouvelle série 9000. Tout à fait Sébastien, donc une toute nouvelle machine qu'on vient de lancer chez John Deere au mois de septembre dernier. Donc une machine qui est aujourd'hui donc un cumulé de performance, une machine qui a été complètement revue, redessinée pour avoir plus de performance, pour avoir une qualité de grain supérieure, un éclatage du grain hors pair et une consommation de carburant des plus basses possibles. Alors Maxime, un petit mot sur la qualité de coupe de la machine. Alors au niveau de la qualité de coupe, sur cette machine, donc, bien entendu, on va retrouver un rotor multicouteau qui est historique chez John Deere, ce rotor multicouteau. La particularité de ce rotor, finalement, c'est d'assurer toujours une coupe franche, nette et précise. Et Dieu sait que c'est important pour valoriser un fourrage de qualité derrière. Donc un rotor qui nous permet non seulement d'avoir une bonne qualité de coupe, mais également un système de sécurité pour les utilisateurs, puisqu'à l'herbe, lorsqu'un corps étranger rentrera dans la machine, par exemple, alors je parle de pierre par exemple, ou de bout de bois, lorsqu'on n'est pas équipé d'un détecteur de pierre, et bien dans ce cas-là, votre couteau va pouvoir reculer et l'utilisateur pourra continuer à osciller tout au long de la journée sans problème. Alors, plus précisément, sur la partie éclatage du grain, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, au niveau de l'éclatage du grain, donc aujourd'hui sur cette nouvelle machine, on a vraiment travaillé sur l'éclateur, donc en augmentant tout simplement le diamètre des rouleaux pour augmenter la surface de contact avec la matière. Donc sur cette machine qui est juste derrière nous, nous avons notamment en base le nouvel éclateur Xtreme, permettant d'avoir 10% d'éclatement des grains en plus. Un éclateur donc avec des rouleaux de 250 mm de diamètre, un différentiel de vitesse en base de 50%, un différentiel également au niveau du nombre de dents entre le rouleau supérieur et le rouleau inférieur, permettant aujourd'hui d'assurer une qualité d'éclatage de 95 jusqu'à quasiment 100%. Alors, tu nous as parlé également en partie moteur, on le voit juste derrière toi. Alors, le gros bloc. Ce nouveau moteur, donc tout nouveau moteur sur cette série 9000, donc à partir de la 9007 jusqu'à la 9009. Donc ce moteur qui est un Liebherr 24,2 litres de cylindrée, donc un V12. Tout nouveau moteur sur lequel on a également travaillé, donc on a revu tout simplement les courbes notamment de régime, de façon à avoir une plage de fonctionnement optimale avec cette machine de 1400 tours jusqu'à 1800 tours. Permettant donc ainsi de descendre, bien entendu, d'une façon considérable, la consommation de carburant. Et la machine que vous avez derrière vous est une machine de 970 chevaux. Donc sur ces puissances-là, bien entendu, il est important de réduire la consommation de carburant. Bien, Maxime, merci beaucoup. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous au champ pour vérifier la qualité d'éclatage de cette nouvelle ensileuse. Merci Sébastien.